Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle des niveaux Leica NA2 et N3, des niveaux utilisés pour des nivellements de précision. Pour commencer, placez deux points fixes, distants l'un de l'autre de 30 mètres. Ensuite, se stationner au milieu des deux points. Mesurez une dénivelée entre les deux points. Ensuite, déplacez légèrement la station autour du milieu et refaire une mesure de dénivelée. La dénivelée retrouvée devrait être inférieure à 1 dixième de millimètre. Cela assure que les milles utilisées aux deux extrémités sont correctes. Ensuite, il faudra aller à l'extrémité d'un des deux points à 30 cm de la mire utilisée pour le point fixe, pour le niveau N3, et à 1,6 mètres pour le niveau NA2. Ces distances sont les distances de mise au point des deux niveaux, c'est-à-dire les distances minimales de lecture des deux niveaux. Refaire une mesure de dénivelé des deux points fixes. Refaire une station et remesurer la dénivelée pour s'assurer que les lectures des mires sont correctes. Ensuite, il faudra comparer les dénivelés trouvés entre les points mesurés au milieu et les points proches des mires. La comparaison des deux dénivelés devrait être inférieure à 0,15 mm. Ceci assure que le niveau est correct, est correctement étalonné. Sinon, il faudra ajuster les niveaux en suivant les directives du constructeur. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.